épisode 3 de la série du nouveau petit village. Donc ouais, il s'est passé une journée depuis l'épisode 2, il s'est pas passé grand chose, il y a une maintenance le matin donc j'ai pas pu jouer. Ouais. On va les découvrir. On va essayer de mettre le troisième camp en fait. Parce que c'est vraiment... Le troisième camp c'est essentiel pour l'attaque. Donc... On va y aller. Ah oui, on peut mettre un autre canon. Je l'ai pas encore mis. Ah, j'aurais dû mettre des archers ici. J'aurais pu gratter des pourcentages. C'est dommage. J'aurais dû mettre un seul archer. Oh, j'ai pas assez regardé la map. Vous voyez, ça c'est... Il y a sûrement des Tesla ici. Ça c'est vraiment dommage. Bon, 42%. Je pense que je vais gagner quand même. Ah merde. Bon. Le nouveau canon. Faudrait que j'organise mieux les remparts. Parce que... Là, l'exposé... C'est un peu exposé, là, j'y vais et tout. Alors... 30 secondes. 30 secondes ici. Ici, j'aimerais bien améliorer mes archers pour avoir la capacité de voile 5 premières secondes. Ça pourrait vraiment, vraiment être efficace. Mais ouais, l'élixir, faut le garder pour le troisième camp. Faire comme ceci et on va réorganiser un peu. Qu'est-ce que ça fait si on les jante sur des remparts? Peut-être ça les pousse ici. J'ai vu une vidéo où on pouvait jeter des troupes dans l'océan. Je sais pas. J'ai pas regardé jusqu'au bout, je sais pas si ça les tue ou pas. Mais ça peut être une stratégie intéressante. Ça ira pas très loin non plus cette attaque. Le piège à ressort, il a servi à rien. Il y a eu un petit bug là-dessus. Bon, c'est la fin. C'est encore une défaite. Il faut vraiment gagner hein, pour avoir les ressources. C'est assez chiant.
je pourrais mettre sur ce village-ci. Tour d'archi. C'est la fin, je pense qu'il va me faire 100%. Il y a des archers level 6, donc il a la capacité. Ah, oh, seulement 30%. Dommage. Ça donne combien par victoire? Ça donne 45 000 par victoire. À 800 trophées. Donc il faudrait 2 victoires. Dans 2 victoires, il y a le troisième camp. Il dure 3 heures à mettre, j'ai vu. Ah. Ouais, je sais pas trop. Faudrait attaquer le crusher. Ah ouais, target pas le canon. C'est des pourcentages minables. Franchement. Je suis encore à 800. Ah non, parce que je vais perdre après. C'est vraiment dommage. D'où ils attaquent avec mon nouveau village. Ils attaquent d'en haut. Faudrait mettre un piège en haut. J'ai un piège à ressort qui sert plus à rien ici. Là-bas. J'ai oublié de mettre des cœurs. Putain. J'ai oublié de mettre les gargouilles. J'avais mis des trucs dans les coins en plus. Non, ça va pas. Ça va pas. On va essayer de se remonter le moral en ligne standard. Il n'y a pas tant de gens que ça qui ont beaucoup de ressources quand même.
Finalement, est-ce qu'il y a une nouvelle mine? Il me semble qu'il y a une nouvelle mine. Non, il n'y en a pas. Je me suis fait bullshiter. Presque 50% ça va faire. C'est bien. Il n'y a toujours pas d'étoiles, mais c'est bien. Il devrait ajouter l'option regarder en live l'attaque de l'autre. Victoire, allez. Franchement, c'est quand même assez énervant. Hein. Ils ont juste à mettre plein d'archers ici. Si elle va là-bas, je pense qu'il y a moyen que ça fasse un plus gros pourcentage. Mais tel que je les connais, les archers, elle va se suicider ici. Voilà. Quel bon archer! Bon. Ça marche pas. Faire une hélice pour le temps d'arrêter d'être nul et puis ouais je reviens quand j'ai assez d'or pour faire les updates. Voilà, ça a été assez rapide. Alors finalement j'ai fait deux attaques après celle qu'on a fait et j'ai gagné les deux, donc ouais 6% il m'a fait. Je vais pouvoir acheter le camp. Mais oui, avant je vais faire quelques autres trucs parce que... Il a abandonné. Je vais faire quelques autres trucs parce que comme ça prend 3 heures, il vaut mieux améliorer d'autres choses d'avant.
Donc 80 000 or. Il avait mis deux pièges à ressort au même endroit. Quand même, faut le faire. Pour 29% victoire. 12% avec 4 géants level 4. Il est bon. Ah, le crusher, ça pardonne pas. Hein. D'après moi, c'est la meilleure défense du jeu. Pour l'instant, en tout cas. Alors, 120 000 or. J'ai amélioré quelques remparts avec ça, je pense. On va se faire une petite attaque en ligne et dans le gros village. Et après, on revient, on améliore des remparts et on met les camps. Ah. Mais dans son ensemble, je pense que cet update est rafraîchit beaucoup la base de joueurs qui est actif. C'est-à-dire que beaucoup plus de gens vont se connecter chaque jour pour voir leur petit village, pour voir comment il va. Alors que le gros village, il n'y avait que besoin d'une séance de farming de temps en temps, et puis tu fais quelques updates qui durent une semaine ou deux, et après tu reviens. Donc ouais, c'est sûr qu'ils ont fait ça pour dynamiser un peu l'esprit du jeu. Deuxième fois que ça se relance. C'est assez long de trouver des parties quand même. Des bonnes parties. Ouais, c'est long, hein. Ça va recharger le jeu encore une fois, vous pensez? Bon, à ce point-là, le prochain qui a quand même assez de ressources dans son village, dans ses réservoirs, je l'attaquerai. Lui, par exemple. Alors...
Je vais faire deux poches. Bon, c'est pas un total succès. On va voir jusqu'où est-ce que poussera cette reine. Quand même bien abusé les ballons pour l'instant. Hein. Ah, il peut dire sauce. Ça sent la fin. Deux cent mille de chaque. Très cher les remparts, hein. Ça passe de 10 000 à 100 000 à améliorer. Bon, est-ce qu'on est dû pour un camp? Ouais, on est dû pour un camp. Bon, ça finira l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à mettre un like et à laisser des commentaires pour me montrer votre soutien ou vos insultes, peu importe, je ferai le tri. Ah, ça finit dans 45 secondes, ça. Voilà, c'est niveau 3. J'en formais 4. J'en formais 4 avant que ça up. Parce que là, ça coûte 490. Et après, ça va coûter... plus 60. Je dis que ça coûte 450. 450, ouais. Voilà, c'est de là niveau 3. Bon. Alors, ouais, moi je vous souhaite une... bonne journée, et puis restez abonné pour voir les nouveautés de la chaîne. Bye.